Bonsoir, grand frère. Comment vas-tu, là? Ça va. Tu vois la vie que tu mènes maintenant. Tu es content de toi-même. Tu es content de toi-même. Quand moi, j'étais fait venir du village, là, c'est pour aller chasser chez les garçons. Peut-être déjà dit que garçons à coton, là, c'est pas les garçons que vous retrouvez au village. Les garçons de coton sont très tranchants. Maintenant, quand il a fini de goûter, maintenant, là, tu es revenu, non? Je t'ai de te concentrer sur ta formation, tu ne veux pas écouter. Maintenant, tu revois encore. Maintenant, tu fais la mine à qui maintenant? Non, il m'a promis le mariage. Il t'a promis, je m'en fous du mariage. Hein. Je m'en fous de votre mariage. Maintenant, tu es revenu chez qui? Pourquoi tu n'es pas resté chez lui? Non, on dit les garçons de Cotonou ne sont pas comme les garçons du village. Tu dois comprendre ça. D'abord, pas dit de lui, la grand-père, c'est fini. En tout cas, c'est ce que tu as. Grand-père, c'est fini. C'est ce que tu as dit il y a de cela 6 mois. Moi, je ne suis plus dans le fait de garçon, je te jure. Maintenant, là, je me concentre sur ma formation, puis c'est fini. Sur ta formation, tu es sûr de te concentrer sur ta formation, non? Ouais, je te laisse. Je vais chez le couturier. Ça. Si tu finis, tu trouves quelque chose à préparer. Je vais rapidement chez mon couturier, je vais venir te parler. D'accord. Aurèle! Oui, grand frère. Passe par ici. Pardon, ça va? Oui, en fait, je te cherche. Et... Ok. Tu as été dit, je ne veux pas te voir avec le voisin là. C'est un malhonnête. Il n'a rien. Je ne veux pas te voir avec lui. C'est un malhonnête. Oui, comprends. Moi, j'étais déjà dit que à force de garçon, moi, j'ai dit enlever ma tête dedans. Je ne suis plus dedans. Il faut finir de faire le ménage. Tu vas me préparer la pâte avec Asrokin. Je vais au boulot, je vais rentrer tout à l'heure. D'accord, grand frère. Tout à l'heure. À tout à l'heure, grand frère. Gros ventre là. Qu'est-ce que je m'en vais faire avec? Mon grand frère aussi, il dit des choses. Jamais. C'est un héros, hein? Oui, c'est un héros. Je vais à la banque, je vais aller changer ça à la banque. Ah bon? Oui. Tu aimes un héros? Oui. Bah, moi, je dis que des héros, hein? Ah, c'est bien ça. Tu veux? Tu en veux? Oui, j'en veux. Ah, moi, je peux te donner. Moi, je peux te donner un petit pouvoir. Moi, je n'ai rien que des héros. Je vais aller changer ça à la banque. Ah bon? Donc, donne ça, donne ça. Sinon, je veux faire nettoyer ma chambre. Si tu peux m'aider. Je peux te donner ça là. Ah bon? Et tu vas me donner un. Non, 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 mon grand frère, il a refusé ça. C'est quoi? Moi, je fais du sourire avec toi. Non, moi, je ne suis plus dans l'affaire de garçon. C'est quoi, on va rentrer, on va faire un d'abord. Quand tu me vois comme ça, moi, je ressemble à un garçon. Regarde, moi, je ressemble à un garçon. Moi, je ne suis pas garçon. Et tu ressembles à quoi? C'est entre toi et moi. Moi, je ne suis pas comme les autres. Non, 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 mon grand frère, il a refusé ça. Moi, je suis toujours. Tu vois, célibataire, non? Oui. Ou bien, tu ne veux pas ça là? Je veux pas me donner. Si tu veux là, il faut rien prendre ça, viens chercher ça. Dedans. Ok, d'accord. J'accepte. Tiens. Ton grand-père n'est pas rentré. Bon, vas-y, merci. Mais non, là. Mais non, attends, il faut que je chante ça.
quand je veux changer ça, tu ne veux pas, je veux changer ça en CFA. Je te donner ça. Tu ne veux pas les CFA. Je veux changer ça et t'amener ça dans ça. Ça pardon, tu es là? Oui, ah, bon arrivé. Toi, tu as encore les faux billets là? Oui. En temps, on avait fait du show avec. Je pensais que tu les avais déjà jetés. Faux billets comment?